Wesh la silence, Sazma, j'espère que vous allez bien, donc ça se perd comme d'habitude. Dans cette vidéo, on va freestyle sur Rocket League Sideswap. Tout le chat Twitch est avec moi. Dites-leur bonjour de l'espace commentaire, c'est minimum de respect. Avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément, ainsi qu'un abonnement avec la cloche de notification. Je vous laisse avec la vidéo les gars, Sazma, peace. Tu veux flex devant tes potes, mais t'as pas d'items. Avec le partenariat de la vidéo lolga.com, tu pourras trouver tous les items de Rocket League que tu souhaites. Et pour pas cher, une fois ta commande effectuée, Lolga t'ajoutera en ami puis te donnera ta commande via échange. En un temps record. Et en plus, j'ai un petit secret pour toi, mais ça reste entre nous. Hein. Au moment de l'achat, mets le code AZUMA pour soutenir et bénéficier de 6% de réduction. Alors si tu veux pas que je te crève les pneus de ta Octane, t'as plutôt intérêt à pas l'oublier, Baptiste. Sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. Du coup les gars, on est directement in-game avec le chat Twitch qui est juste au-dessus de moi d'ailleurs. On est dans la nouvelle saison. Je sais qu'ils ont un peu réinitialisé. Il me semble que j'étais argent 4 ou argent 5, un truc comme ça, je crois. Après, j'ai pas du tout poncé le jeu, hein. Je joue juste comme ça des fois dans mon lit. Et du coup, je suis niveau 1. Alors, je crois que j'étais niveau 16, mais je suis pas sûr. Non, niveau 19, je crois. Je crois qu'on a un nouveau Rocket Pass. Ça, j'ai toujours pas compris si on devait le payer ou pas. Hein, parce que moi, il me donne des trucs, mais je sais pas si on doit le payer. Oh, il y a une Dominus. Incroyable. Il y a la Scarab. J'ai envie d'avoir la Fennec, mais en vrai, je sais pas pourquoi j'ai envie d'avoir la Fennec. Je pense que ça peut être stylé. Ok, bon, sinon, niveau garage, j'ai pas grand chose, hein, en vrai. Bon, on va mettre ce sticker en vrai. On va juste changer la couleur aussi. Puis on va faire une voiture comme ça un peu. Ça va être stylé. Un petit rose comme ça là. Bon, du coup, on a notre petite voiture. C'est assez stylé. On va directement aller en entraînement pour voir ce qui est possible en freestyle dans le jeu. Sauf que j'ai déjà un peu pas mal joué au jeu quand même. Et du coup, je sais à peu près qu'est-ce qui est possible. Genre des petits ceiling pinch comme ça, des choses comme ça et tout. Je sais que c'est possible et ça, c'est plutôt stylé. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en penserez, les gars, du jeu. Personnellement, je lui mets un petit 10 sur 10 parce que pour un jeu sur téléphone et tout, il est incroyable. What? J'ai fait quoi mon ref? Ok, incroyable. Bon, du coup, on va voir qu'est-ce qui est possible. J'ai déjà mis un signe Monsieur Doltap au tactile sur téléphone et tout. Donc, je sais que c'est possible, mais de là à le refaire, je sais pas si j'y arriverai. Parce que c'est assez galère. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je sais qu'on peut mettre des signes pinch double tap. J'ai failli le mettre. Alors, oui, d'ailleurs, je pré-shot dans les commentaires et tout. Je sais qu'il y en a qui vont me dire Azuma, tu peux air-roll et tout. Je sais, hein, je sais le faire. Juste si je le fais pas, c'est que j'ai envie de le faire un peu plus clean quoi. Juste d'ailleurs, niveau contrôle de balle, j'ai l'impression que le jeu est. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, c'est difficile de faire un bon contrôle de balle. Quoi. Oh, y a moyen de faire des dingueries vraiment. Je sais pas si c'est possible. What the fuck, c'est une pinch triple tap je crois. Ok, je prends, c'est quand même plutôt stylé. D'ailleurs les gars, c'est assez fou quand même hein, mais je prends plus de plaisir à jouer à ce jeu là que sur le vrai Rocket League en ce moment, je vais pas vous mentir. D'ailleurs les gars, petit tips hein, pour ceux qui veulent avoir le turbo illimité en free play, c'est ici hein. Vous êtes dans paramètres et ici vous avez turbo illimité en jeu libre. Je vous conseille de le faire en vrai parce que en game on peut pas tout simplement. Et en match privé, je crois pas qu'on peut modifier l'émulateur donc bon. Et bon les gars, on va aller in game, voir qu'est-ce qu'on peut faire in game simplement. Je pense que globalement ça va être pareil sauf que les cages sont plus petites. Je comprends pas pourquoi. D'ailleurs dites-moi dans l'espace commentaire si vous savez les gars. Parce que je sais pas pourquoi, je trouve ça un peu dommage quand même. Genre là les cages elles sont parfaites je trouve, tu vois, genre tu peux faire des double tap et tout, les cages in game sont beaucoup trop grandes hein, vraiment. Regardez comme elles sont grandes, elles sont immenses. Du coup c'est un peu dommage quand même. Mec il a déjà une voiture ultra stylée Frono au début du jeu, j'ai pété mon crâne hein. Oh la save. Non j'ai plus de boost. Bah c'est but. Non. Stylé. Wesh. Oh ce sing pinch du futur que j'ai mis, il est ma mère. Eh les gars, on est déjà un freestyler, c'est bon. Je vais créer la pulse sur Rocket League Sideswap en fait. D'ailleurs les gars, dites-moi si ça vous intéresse des vidéos où juste je fais des games comme ça, des games complètes et tout. Et peut-être que du coup j'en ferai une série genre Road to GC ou je sais pas tu vois, mais je pense que ça peut être stylé. Du coup n'hésite pas à me dire les gars, tu préfères Sideswap ou Rocket League le vrai? Fro, la question se pose même pas, je préfère largement Sideswap. Hein? Quoi? Non bah je rigole quand même Rocket League. Let's go les gars, let's go. On va lui dire GG quand même. On va relancer une game les gars, en vrai on va relancer. Je pense qu'on va faire 3-4 games, histoire de tenter des petits freestyles et tout, des petits moves. Il y a vraiment moyen de mettre des dingues. Le bug est trop fort en fait, il m'a mis une double tap, je vais péter mon crâne. Oui, il a un goal, nice, je crois que je l'ai fake. Oh il est parti au Qatar le bug. Gros je l'ai fake, il est parti à Dubaï, il a pris ses meilleures vacances, comme d'hab. Ah, je vais péter mon crâne. En fait je fais beaucoup de fake kick-off en 2S mais j'ai oublié qu'en S les cages étaient beaucoup plus petites. Du coup le mec il peut marquer tout le temps en fait. Du coup je vais arrêter de fake kick-off dans ce mode de jeu. J'ai le reset là vraiment. Oh. Le flip reset les gars. Flip reset. Incroyable. Oh oui. Oh oui, à 0 seconde de la fin. Mec, ce jeu me donne des sensations que je n'avais pas, les gars, c'est incroyable. Oh, j'ai fait un musty. J'ai fait un musty, ma mère. Ralenti au montage, les gars. Je le reset. Oh non.
Oh mon dieu, ce match. Mec, je kiffe d'où ce jeu, les nemers. Hein. Oh, ce match était clean. Hein. Oh, j'ai failli faire une dinguerie, par contre, j'ai trop le seum. Je kiffe ce jeu, vraiment, les gars. Je kiffe ce genre. C'est à combien de sièmes de game? C'est la troisième game, on est d'accord là. Je voulais marquer la mécage. Hein. Le seum. Je travaille mettre un risque backboard ou quoi là. Bon, on va quand même marquer en vrai. Là, je tente que les clips depuis tout à l'heure, mais j'ai pas envie de perdre mes games non plus. Donc on va essayer de safe un peu la game quand même. Ça, c'est but, je crois. En fait, faut jamais faire kick-off avec ce terrain. C'est impossible, limite. Hein. On va essayer, mais... Ouais. Oh, il a tellement bien joué. Là, il m'a fait que deux fois d'affilée. Oh mon dieu. Et mec, je kiffe trop. Les nemers, je kiffe trop. Oh mon dieu, non. J'ai trop le seum. What a save, il m'a dit. Ok, il veut jouer à ça, le bug. Est-ce qu'on le remonterait pas, les gars, puis après on le gagne et après on met what a save en fait? Vraie question que je vous pose. Non! Oh oui. Allez, prends-toi what a save, mais mon pote, hein, je vais pas te mentir. Allez, triple what a save, mon ref. Oh oui. J'ai pinché avec lui, incroyable. Allez, reprends ton what a save, mon ref. Oh oui, mais... Mec, je kiffe ce jeu, les nanères. Double tap, les gars. Évidemment, c'est incroyable. Oh non, j'étais à deux doigts. Oh, il a tellement bien joué. Oh, il la sort. Let's go les gars, on a gagné le match. Je kiffe ce jeu, vraiment de ouf. Les gars, c'est la dernière game de cette vidéo. On va essayer de tenter encore une fois des petits moves assez stylés quand même. Pour l'instant, en vrai, je kiffe de ouf, en vrai. Je pense qu'il va être compétitif. Le jeu, je pense pas qu'il y aura d'e-sport dessus, tu vois. Mais je pense qu'en vrai, niveau ranké et tout, je pense qu'il y aura moins de s'amuser, je pense. Enfin, on s'amuse déjà là, tu vois. Après, moi, je m'amuse à faire des moves, tu vois. C'est comme sur le vrai Rocket League, tu vois. Moi, je m'amuse plus à tenter des gros clips que faire de la ranké et tout. Nice. Je sais que c'est possible du coup de dribbler un peu bizarrement avec la balle. Ce qui est plutôt stylé en soi. Il a bien joué. On a le reset. Ah, quand on chope un reset, on a du boost en plus, c'est incroyable ça. Allez, va arrêter ça, mon pote. Va arrêter ça, mon ref. Ce jeu est trop kiffant, vraiment. Bon, fin de la game, du coup. Bon, on a fait 4 games, je crois. On a tout gagné. Oh, on a débloqué les trucs. Tête de pigeon, ok. On va équiper ce boost, en vrai. C'est gros, j'aime pas. C'est quoi, ça? Avatar, je suis pas fan. Défi, qu'est-ce qu'on a? Cool, les gars, c'est une fin de vidéo. En tout cas, que vous a plu, les gars. Moi, je sais que j'ai trop kiffé l'affaire. Ouais, mec, je viens de faire un reset backboard. Hein. Ce jeu, je kiffe de ouf. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu ou juste des vidéos où on essaie de grind comme ça ou genre juste je mets 2-3 games comme ça. Du coup, voilà, pensez au petit pouce bleu, les gars, comme d'habitude, ça fait plaisir. Twitch vous dit au revoir comme il se doit. On se retrouve tous les soirs à partir de 8h sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description et dans l'espace commentaire. Bonne soirée à vous tous, les gars, c'était Azuma. Peace.